Dis bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, connectez-vous. Je ne veux pas rester assez longtemps aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je viens juste répondre à cette écervelée qu'on appelle Coco Kwetu. Coco Kwetu, je ne sais pas si quand je parle, la tonalité de ma voix, elle est tellement. Par moments, j'ai une voix qui peut être tellement douce que je peux comprendre que tu peux te perdre en pensant que par moments, je suis une femme. Je vais te dire quelque chose. Moi, je ne savais même pas que tu as fait une connerie ou une bêtise pareille. Ok, d'accord. J'étais suivi, dit, dans une vidéo chez Soko. Connectez-vous, partagez-moi ça. Je suis fatigué. Tu viens de me réveiller. Bonjour, bonjour. On va continuer les salutations. Merci. Il est beau. Oscar est beau, monsieur Oscar est beau. Il s'appelle Oscar, mon cher. J'ai très bien dormi. Et là, tantôt, là, je vais sortir. J'ai quelques petits trucs à faire dans la journée d'aujourd'hui. Comme me coiffer les cheveux, parce que je vais voyager. Me coiffer les cheveux. Enfin, j'ai dit où. Me coiffer les cheveux. Aller dans deux ou trois endroits. Faire les commissions. Donc, je devais faire des plusieurs. Mais avant, quand même, je vais expliquer. Je vais expliquer certains détails. Parce que quand les gens viennent ici sur Internet, ce n'est pas la quête de il faut pas que se fier sur la quête de visibilité. Il faut dire des choses qui sont crédibles et qui tiennent la route. Quand toi, Coco, bien que tu as l'esprit de la bordellerie, tu as 58 bordels en toi. Donc, quand on parlait de la bordellerie, ta tête qui est comme un enfant, que le Seigneur m'excuse, qui est né de trisomie, là. Ta tête qui est ovale, on dirait on appelle ça comment? Comme l'hymen de la femme, là. Tu te places sur Internet, tu dis comme quoi, qu'on y va, qu'il me déteste. Coco Kwetu sort le message. Mes comptes Facebook sont vieux de depuis lambda. Le compte que je suis en train de te parler avec, si là, il a été ouvert, je peux vous faire une capture d'écran après mon direct, en 2007. D'accord? Et je ne change pas mes comptes en désordre, tout le monde sait. J'ai parlé avec toi, j'ai même pas parlé avec toi. Tu as débarqué quand TikTok est arrivé. Tu as débarqué dans mon ancien compte TikTok, qui est Nivakin le justicier, pas le média Nivakin, mon ancien compte TikTok. Tu as débarqué là-bas. Tu m'as laissé un commentaire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais répondu. Tu avais mis, je crois, c'était les émojis cœur. Tu n'as pas trop parlé, je ne sais pas si tu sais écrire le français. Tu n'as pas trop parlé. Coco Kwetu. Coco langue de serpillière, hein? Coco langue de serpillière des toilettes publiques, avec ta grosse langue fendillée comme la prune, avec la dacre, la saleté sur ça, on dirait moutarde. Tu dis que moi je t'ai appelé. Ça ne tient pas déjà d'abord la route. Donc je serai en Suisse. J'appelle que la Suisse, le pays du piment. J'appelle quelqu'un qui est dans le jonglage en France. Coco, tu as eu les papiers récemment? Kwetu. Tu as eu les papiers récemment, il n'y a pas longtemps. C'est ta fille que tu as accouchée là qui t'a donné les papiers. Parce que la valise que tu tirais, même là, tu tirais, tu n'avais pas les papiers. On t'avait refusé d'abord l'asile. Quand tu es tombé enceinte de ta fille, c'est là où on te donne l'asile. Mais à la base, tu étais tombé enceinte pour avoir le kaolo. Hein? C'est que le kaolo est venu te trouver. Bonjour Lydie, comment tu vas, maman terre? Ça fait longtemps que je ne te vois pas. J'arrive. Je vais t'expliquer, Coco Kwetu. À l'époque, Anna, tu vas m'excuser. Je vais vous expliquer comment est-ce que je connais Coco Kwetu. Parce que je ne la connais pas. Là où je vois le personnage. Coco Kwetu, moi, j'étais connu à l'époque où tu sortais avec Anna. J'entendais qu'il y a une fille lesbienne, Bamoun, qui arrivait à Tanger. On était au Maroc. Je ne vous ai jamais vu avec les yeux. Coco Kwetu aussi était déjà vu à l'œil nu que la première route que je traverse, la voiture me cogne. Si ce n'est pas le cas,
c'est sur toi-même ou sur toi, ta progéniture, que ça, ça va se répéter. Ce que je suis en train de dire ici. Si j'étais déjà écrit un message. Attends, laisse-moi, je suis tellement fâché. Si j'étais déjà écrit un jour un message privé, sors-le, où tu la fermes éternellement. Quand vous êtes là, même Coco Kouetou, tu as un minimum, si tu as petit âge, tu as 37 ans. Je n'aime pas les espèces de ta race. Tu ne mets. Carla, nana, je te bloque. Attends. On bannit quelqu'un. Oh. Parce que quand vous vous placez sur Internet, vous venez raconter des inepties. Donc, je vais être en Suisse, le fief du Waka. Là où je connais les gens où... Est-ce que tu sais que ma grand-mère même habite en Suisse? Mes tantes sont en Suisse. Donc, je ne vais pas appeler les femmes qui ont le passeport suisse, qui veulent devenir bordel en Europe. C'est toi, Coco Kouetou, qui est dans le jonglage, qui a traversé la mer Méditerranée comme moi. Qui vient d'arriver, que je vais l'appeler que... Oui, Coco, à l'époque, Coco, tu es une poisseuse. Si tu étais une vraie vendeuse de piments, tu aurais déjà trouvé un homme qui t'épouse. Toutes les vraies... Les filles camerounaises ne restent pas dans le piment 10 ans. Si tu... Si tu étais une vraie... Non, Carla, je n'aime pas ça. Ne venez pas souvent. J'aime pas les choses comme ça. Si tu étais une vraie fille camerounaise qui dit qu'elle table ensemble, voilà, c'est que tu as trouvé même deux maris. On sait que les filles avaient les seins et la chatte. La chatte qui coule l'eau. On sait que vous, une vraie fille qui a le mind sense, qui est wise, qui sait ce qu'elle cherche dans la vie, elle ne fait même pas 6 mois dans le canard. Elle trouve le mari. Mais comme... Vous êtes des poisseuses ambulantes. Des gens qu'on a juré sur leur tête dans leur village. Les gens qu'eux vivent seulement ainsi comme ça. Parce que Coco Kouetou, une femme qui a encore une éthique. Le lesbianisme, c'est quelque chose, c'est une pilule qui est très facile à avaler dans la communauté africaine, comparé à l'homosexualité. Coco Kouetou, même un gars camerounais, tu es là, au lieu de pleurer que Flore ne t'assume pas là-bas, c'est mon nom que tu as dans la bouche. Au lieu de pleurer qu'on t'a barré, tu n'as même pas honte. Bonjour Muriel, tu n'as même pas honte, tu viens te placer, ton discours pue le mensonge, ce n'est pas cohérent, ça ne coule pas, tu racontes des inepties, Coco. Si tu es une femme, viens appeler dans mon live, je ne vais pas te chasser. Et tu m'expliques de vive voix en me regardant dans les yeux. En me disant que Nivakin, tu m'avais appelé tel jour. Je n'ai jamais voulu même parler avec toi. Je te dis alors ça aujourd'hui. Moi, je suis le genre de personne que je peux voir une personne même sur Facebook comme ça. Donc, je décide de te détester à vie. Donc, tout ce que tu fais, deviens même ami avec ma mère qui m'a mise au monde. Je ne serai jamais, même dans ma famille, on me connaît que je suis comme ça. Que quand elle est signée, que j'ai tâti, que la personne là, je ne veux pas ça. Va au ciel, reviens sur terre. Ton visage ne m'a pas captivé. Je t'ai vu une seule fois sur les réseaux sociaux. À l'époque, tu venais de connaître Flo, où vous étiez en train de faire les trucs pour le Ngundala. Tu m'as hermétiquement fermé les sentiments. Je ne peux pas parler avec toi. Et je vais dire à toi, Prince Mouchili, je vais te dire l'une des raisons pour lesquelles je n'ai même jamais voulu que tu te confrontes à moi. Si vous voulez qu'on verse le sac, Prince Mouchili a le Bangala comme le petit, la miette du Bangala comme le truc que j'ai à main ici. C'est un homme qui est successif. Donc, je ne peux jamais. Donc, même s'il me dit qu'on est à rester sur terre, il lui dit que papa, je suis devenu hétéro, il ne fait plus moi les choses là. Mais qu'est-ce qui vous arrive sur Internet? Zuckerberg a dit que la monétisation est finie, vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours d'emblée, à fond la caisse, jusqu'à dans la moelle épinière. Une vieille chouette comme toi. Franchement, la bordellerie ne marche plus, hein. Si Coco Kouetou laissait révéler la mongole, c'est vos passoires. Elle est déjà sur Facebook pour fabriquer les mensonges. Franchement, je pleure le sort des bordels. Coco Kouetou, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est sur moi que tu veux venir te frotter. Ta copine Nadège Papa qui a la bouche comme la devanture du micro-ondes, avec les gros yeux,
Les gros yeux, comme le clou de toi, ta grosse chatte coco couetou, que les gens passent le temps à mettre et les godos, et les clous, et les cailloux, et les canapés, et les chaises, tout. Tu as encore une chatte? Quand tu pisses, les pipis sortent encore. Mais attends un peu, je dors, coco parle ma chose. Mais attends, je bois un peu de le truc si je bois dans la bouche. Vous êtes ta bande, Nadège Papa et toi. Nadège Papa, les costauds de lèvres. Je vous ai déjà dit que quand une femme a une forte paire de lèvres comme ça, elle doit tout faire pour être une femme très discrète. On va regarder Patricia Mel là-bas, avec le nez évasé. Une bande de tumbab, des perdus, des cervelles, les cervelles congelées. L'autre tumbab est quitté au Canada. Comme elle a entendu que Coco Couetou et Flore, maman, on peut faire les poubelles comme ça. On peut faire les poubelles comme toi, la chèvre du Canada. Donc tu es quitté au Canada pour venir faire la poubelle de Flore qui est Coco Couetou. Parce que quand c'est cuit, on a déjà dit qu'on accepte, on assume. Si c'est tel est le cas, la chèvre, Patricia Mel, Tana a la bouche du cheval, elle est là comme si on a maquillé la jument. Vous êtes tous des éboueuses. Parce que c'est là où on a jeté. C'est là où vous heurez. Vous n'avez pas honte que les vieilles mamans comme vous, les grands-mères, une petite fille comme Coco Couetou passe son temps à vous enregistrer à temps et à contre-temps. D'autres, l'autre grand-mère, s'il va aller lui demander la langue là, la sale langue là, je suis sûr même qu'il y a les boutons qui sortent dedans. Coco Couetou, tu es une femme. D'accord. Va chercher un mari. Trouve un Joe. L'homme blanc est ouvert d'esprit. L'homme blanc peut sortir avec une femme qui lui dit qu'elle tape même. Je connais beaucoup de lesbiennes en Belgique qui vivent avec les hommes. Coco Couetou, couvre pour toi. Une écervelée. Depuis tu vends les fesses, tu soldes les fesses, tu es en Black Friday toute l'année. Ton couetou s'élargit encore. Tes fesses se tient encore. Il y a encore les élastiques dans les vieilles fesses. La mine tout mine nomme canne kimalori tembe boile là en oiseau. Tu ouvres tes fesses à qui? Vous pensez que les gens sont tranquilles depuis là parce qu'ils ont peur? Non, c'est parce que vous ne nous servez à rien. Mais alors là, vraiment, quand on regarde le pour et le contre, il y a beaucoup le contre. Donc on se dit à un moment, on va faire profil bas. Bonjour ma personne, Claude Akam. On va faire profil bas sur des saletés comme toi. Coco Couetou, tu n'es personne, à part le petit Njansang que tu mets sur toi là. Ceux qui croient que tu es quelque chose. La fille que Coco Couetou sort avec au Canada, la Coco Couetou te ment, elle sort avec Tana. Coco Couetou que vous voyez sur internet et Tana là sont un couple. Elle tape les passes des costumes ensemble. Dès que le costume part, elle commence à se faire la peinture entre les jambes. Les vieilles choses comme vous, comme ça, vous voulez tout qu'on vous humilie. Celle de Nadège Papa, sa fille se reproduit déjà là-bas au Cameroun. Même pour le simple respect. Moi, en toute sincérité, si mes parents étaient sur les réseaux sociaux, je ne serais pas là. Qu'elle va entendre que ma mère fait les choses avec ses copines sur Facebook. Hein? Je quitte. Vous êtes là, vos enfants se reproduisent déjà. Comme vous avez mis pause dans vos âges, vous croyez tout dans vos têtes que vous êtes des petites filles. Vous êtes des vieilles lottes avec des fesses ridées, mais quand qui me tombe une nom. La seule qui peut encore se reproduire de manière naturelle là-bas, c'est la crue qu'on appelle Coco Couetou. Et voilà les fesses et les gènes de reproductrice là qu'elle est en train de bousiller. Les clients marchent sur ses organes sexuels. Un ben tout d'homme noisout. Un pour la loi noisout. Une chienne. Sa bouche est comme le tuyau d'échappement. Les narines sont comme. Et là, un noisout. Prononce-moi encore. Je suis ta catégorie. Hein? Tu as tout fait. Coco Couetou. Je suis sûr que c'était la qualité de personne qui prenait l'argent aux gens. Tu as déjà tout fait pour m'approcher. En fait, vous êtes la qualité de personne que. Même quand vous êtes avec Flore là, demandez à Flore si un jour, quand elle m'a appelé, je lui ai dit que dis bonjour à quelqu'un qui est à côté de toi. Donc quand j'entends même une voix à côté d'elle, je dis que ma personne après, on se parle après. Je ne vous aime pas. Et je vous dis ça alors aujourd'hui. Vous êtes une bande. Vous toutes qui arrivez, vous toutes qui. Vous êtes venues derrière Flore là. Je dis que depuis le début, je suis bango bango, terre à terre. Donc balata avec vous. Wamakulo Stade Omnisport, Dunguru. Hein? Vous allez voir derrière toute l'histoire-ci, l'analphabète qu'on appelle compresseur. Elle est assise derrière parce qu'elle est seulement analphabète. Hein? Le machiavélisme, elle s'y connaît.
Elle a une licence dans le machiavélisme, la mendicité. Les chiennes comme ça, les vieilles femmes, elles sont là, elles se réveillent le matin, les fesses remplies de pertes blanches, comme la binousse qui a dormi. Ben, toujours, qu'est-ce qui vous arrive même? Quand on va venir vous manquer le respect, vous allez taxer des gens d'impolis. Quelqu'un est venu toquer vos portes pour vous manquer le respect. Tu parles mes choses, pourquoi? Coco, tu j'ai déjà léché, avec toi. Ils vont m'agnagner, ne bilan, ou hein? Ils vont m'agnagner, ne bilan, là où vous vous léchez, vous léchez les foufounes là-bas. M'as-tu déjà vu là-bas une fois? Merde alors. Elle se place. Elle ne va qu'une mettre test. Il fallait faire un live vidéo où je te vois ton visuel. Je le dis à haute intelligible voix. Nous sommes le 7 décembre 2022. Si moi, un Ntolo Junior, j'ai déjà parlé avec Coco Kouetou, que je meurs, la première route que je traverse, la voiture m'écrase. D'accord? La voiture m'écrase. Je ne peux jamais parler avec une personne comme Coco Kouetou. Quelqu'un déjà d'abord qui a quelqu'un déjà d'abord qui a le problème avec 4 personnes, étant toutes les 4 personnes, il les a enregistrées. Donc toi tu penses que je vais m'asseoir sur mon intelligence et venir faire le copinage avec toi. Mais tu es une cervelle frélatée, c'est pas le cas de tout le monde, idiote, bouffonne. Nous sommes le 8 décembre. Regardez-moi là, c'est Pierre. Un zoivre. Coco le mignon, tes noyaux te grattent. Viens prendre ma page, loup. Mbé, voilà, l'an, un oiseau, l'an. N'est-ce pas, tu dis que tu as la barbe? Un toudzoum. Une chienne comme ça. Ta sexualité ambiguë. Une vraie fille qui aime les femmes. N'utilise pas son appareil génital pour vendre comme tu vends là. Je connais des vraies lesbiennes. Tu lui payes même 1 million. Elle ne dort pas avec un homme. Il dit 1 million. Les petites sales lesbiennes comme ça, elles grimpent en haut des bangalas. Le soir, tu vas leur voir avec les pantalons comme les hommes. Elles font comme elles sont des hommes. Femelles jusqu'à la moelle épinière. On les accroche en haut des poteaux pour les baiser. Chienne. Qu'est-ce qui vous arrive? Associez-vous, je vais vous gérer. Moi, je n'ai pas la team. Ma team, c'est moi-même. Voilà. Bonjour, ma tata Sylvie Sanger. Tu ne m'as pas envoyé le cadeau. Il ne faut pas faire comme ça. Tu n'es pas un faux profil. Tu es dans la vraie vie avec moi. Tu ne peux pas commenter ici. Comme un tap comme ça. Mon frère, on voit un tumbabo au lieu de se cacher. Tu penses que les bamounes vivent comme tu vis là? Les bamounes, je n'ai jamais vu une fille lesbienne bamoune. Tu es la première moi que moi je vois. Moi, je ne savais même pas qu'ils font les choses là. Que les filles bamounes font aussi les choses là. Tumba. Elle est là comme si on a juré sur sa tête avant de partir en aventure. C'est Pierre des toilettes publiques. Indango, Sorunou, Azur, Indang. Chienne, tu sais d'où je sors? Tu as amené ta copine, hein? Ta copine qui vous louait la maison. Où Nadège Bapa est parti casser les chaises. Toujours en train d'aller grimper sur les canapés des gens pour vendre le piment. Vous avez encore une personnalité. Vous, quand vous rendez visite à quelqu'un, hein, la petite annonce est toujours à côté. Ma personne, est-ce qu'elle peut prendre un client ici? Mais bimenoui, boile, zout. Vous prenez pour les qui? Vous êtes des exemples. L'âge même est fini. Vous avez diminué l'âge dans vos têtes. Hein? Mais le corps a déjà écrit Espaya. Le corps ne veut plus subir tout cet acharnement. Hein? Entre les manzizi, des watts, des cassa, des noirs, vous baisez avec les saracoulas à Paris, là-bas, on vous paye les 50€. Une chienne comme ça. Les saracoulas, les maliens, les sénégalais, les égyptiens, babom, les minamimbourbilan à Paris. Quand tu entends même qu'elles vendent le piment de combien même? Hein? Depuis, le piment de combien? À l'époque de Vivascript, à l'époque de Vivascript. Toutes les bordels qui ont vendu sur Vivascript avec toi, on les marie à la maison ou bien elles sont assises dans un foyer. Tu es tout là pour heurer comme un mauvais esprit. Je suis sûr que la chienne qu'on appelle Coco, si Coco Kouetou, je vais appeler la gendarmerie. Je vous jure au nom de Dieu, en direct pour donner l'adresse de chez toi, que tu te prostitues avec les enfants dans la maison. Et je vais faire écouter tous les lives. Peut-être vous faites vos choses là sur Facebook. Vous dites vous allez faire, vous ne faites pas. Moi, je ne pars pas derrière. J'attends mon deuxième téléphone. Je lance en logique. Oui, bonjour madame.
Il y a une fille camerounaise, vous l'avez reconnue réfugiée en France. Elle vend les fesses chez elle à la maison avec les enfants en bas âge. Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Pas vos choses que vous allez rester derrière les faux profils. Vous allez dire, oh, c'est Flore qui a envoyé. Là-bas, ça sera moi-même. D'accord? Là-bas, ça sera moi-même qui va appeler avec mon téléphone. Que oui, bonjour madame, je vous appelle pour dénoncer une situation. C'est une jeune fille, elle s'appelle Coco Kouetou, camerounaise d'origine. Je vous explique d'abord son parcours. Elle a joué la Champions League au Nigeria. Joué au Nord d'abord. Hein? Les filles qui sont sorties de chez eux, qu'elles partent en aventure avec 15 000 dans la poche. C'est le cul qui vous a sauvé tout le long de la route. Mbé, voilà, là, en oiseau. C'est quoi ça même? Elle se place parce qu'elle cherche la visibilité. Elle veut que son colis puisse mettre en avant première sur les pages. Elle ouvre ce qui lui sert de cul. Hein? Et outil de passation. Elle vient ouvrir sa bouche. Il va qu'elle me déteste. Donc, elle veut laisser les vrais bordels en Europe. C'est une racaille comme toi, sans chaos, ok, elle veut venir. À l'époque, là, tu devais aller louer la maison. Avec quel papier qu'on va aller vendre la bordellerie? À l'époque, il fallait avoir le kaolo. Hein? Que tu as ton kaolo comme ça, tu vas prendre le Airbnb. Hein? Quand tu as le kaolo comme ça, tu vas ouvrir le compte bancaire. Les bordels comme ça, les sales chiennes, les fonctionneuses avec les comptes nickel. Hein? Tu connais comment on fait un virement en ligne, coco et tout. Les filles qui sont venues en Europe, à part la bordellerie, on ouvre le cerveau, il n'y a rien dans la tête là. Et le chicken tue. Il n'y a rien dans la tête là. S'il y a quelque chose à côté là, c'est le Njansan. À part la bordellerie et le chicken tue. Si tu vois quelque chose, c'est le Njansan. Il n'y a rien d'autre. Oh, vous détestez une chienne comme toi. Tu m'as bien regardé. Moi, il parlait. Moi, je peux même être dans la. Coco Kouetou, je ne peux même pas rester. Je ne peux pas partager l'atmosphère avec toi. Dans une maison, ou bien dans une pièce, ou dans une soirée où on t'a invité, moi et Landy Junior, je ne viens pas. D'accord, ma tête, il n'y a pas de souci. Moi, dans un direct où tu es, Elandi Junior, je ne viens pas. Tu es qui, tu es quoi? Tu connais les filles avec qui j'ai marché. Bah, vous voyez les gens sur Internet. Tu connais quand on parle des filles qui se débrouillent, qui cherchent les dos, les vraies filles, pas au Cameroun. Les filles que... Pas ici. Hein? Les filles que, depuis le pays, elles gèrent. Le vrai Dieu. Uh-huh. Les bordels qui sont venus apprendre à connaître 30 000 dans les passes de 50 euros. Coco Kouetou, tu avais déjà eu 500 000 au Cameroun, que c'est ton propre agent. Est-ce que, mais, il laisse même le Cameroun. Est-ce que tu avais déjà eu 500 000, que tu t'assois comme ça, que ouais, j'ai eu 500 000. C'est la bordellerie qui vous a fait connaître les finances. C'est la bordellerie qui vous a fait connaître les finances. Une chienne comme ça, elle ouvre son gros cul évasé avec les tendons dedans comme les soya que les Aoussa vendent au ministère des soya Aoussa à Tingala. Et nous m'ouvre boisout. C'est Pierre. Vous pouvez me parler, on nous aime complètement. Carrément que, qui ne m'avait appelé? Je t'avais appelé, j'ai pris ton numéro où? Commençons par là. Je t'ai appelé. Où est-ce que j'ai pris ton numéro? Manga que non. Donc, je me suis levé le matin. J'ai dit, Coco Kouetou, tu avais le téléphone avant. Bonjour, la lionne. Tu avais le téléphone avant. Le numéro que tu avais, c'est Flore qui t'avait pris ça. Quand on t'a chassé, elle est partie avec ses numéros. Tu avais le téléphone. Même Lika, tu pouvais pas acheter Lika avant. La fille, cette fille, c'est une vipère. Quand on dit que Coco Kouetou, c'est le serpent à deux têtes. Coco Kouetou, tu es une femme, tu as les enfants, fais très attention. Une mère d'enfant ne se comporte pas comme tu te comportes là. Anna, ta copine lesbienne, ta congénère, elle est en Suède maintenant, je crois qu'elle a le passeport suédois maintenant. Elle qui t'a amené, qui t'a payé le boza. Vous vous dites bonjour, c'était ma copine, avec feu engrais à celle qui est morte dans la mer, et Christian. Hein? Tu dis bonjour à la fille là. Elle t'a amené ici. Tu as vu les fleurs de l'île, était déjà sur internet. Tu as dit, oh, c'est la reine, mais tu es tombée là-bas. Petite ingrate que tu es. Une chienne comme ça. Tu as une personnalité. Quand les gens parlent au coco et tout, tu dois te cacher.
D'accord? Tu as forcé tout. Tu as forcé ici qu'on te reconnaisse comme un pays qui s'est battu pour l'indépendance. On a fini par te reconnaître alors. Maman peut courir derrière sa soeur femme comme ça. Elles sont nombreuses. Pour elles, c'est normal. Elles ont déjà créé une association. Hmm? Toutes veulent goûter le même que tout. Mais vous faites pitié. Vous faites gravement pitié. Mais c'est grave. Vous faites beaucoup pitié. C'est Benzina. Parce que vous allez vous placer sur Internet. Quand elle parle ma chose sur Internet, c'est fondé. Parce que s'il fallait faire les choses que... S'il fallait faire les choses que chacun venait inventer les choses à la vape ici, c'est que beaucoup se sont déjà suicidés. Venez avec des choses qui tiennent la route quand vous allez venir dire, je ne parle pas avec n'importe quel internaute. D'accord? Quand tu es déjà sur Internet là, ça, pour qu'il parle avec toi, c'est très dur. Si je manque, il y a mon IP, il y a des gens qui me... Je ne veux pas. Donc toi, je t'ai appelé. Je n'ai même jamais dit à Flore qui est ma personne que je t'ai appelé un jour. Mais vous, mais franchement, quand vous vous racontez des conneries, trouvez même un peu quelque chose qui tient la route. Donc je n'ai pas appelé Flore. Vous dites que ouais, Flore. Et s'il fallait même que j'aie ton numéro, il n'y a pas deux personnes qui devaient me donner ton numéro. Je n'ai jamais... Si Flore peut vous dire, depuis qu'on se connaît, on n'a jamais eu une conversation qui a créé... Moi, je ne savais même pas que tu es encore en vie. Voilà, je ne savais même pas que tu es encore dans l'Europe. Si tu ne cherchais pas à réveiller l'histoire qu'on avait déjà fini de vivre depuis 2014 pour essayer d'exister. Aujourd'hui, tu as une page, tu classes les gens à temps et à contre-temps. Tu es qui, tu es quoi? Tu es qui, tu es quoi, Coco? Tu m'as bien regardé. Avec ta sale copine, ta sale petite copine qu'on appelle Prince Mouchili. Une petite bordel. Lui-même, il porte la perruque, non? La chienne qu'on appelle Prince Mouchili. Un écervelé. Un tétard avec les champions et les abcès remplis dans les fesses. Sale petite menteuse. Bande de vipères que vous êtes. Que vous... J'avais appelé Nivaki. Tu m'as appelé où? On parlait comment au téléphone. Émite un peu la voix qui te répondait avec. Tu me dégoûtes, Coco. Tu me dégoûtes. Tu es l'une des femmes. En fait, tu confonds la starmania et la vulgarité. Parce que tu es vulgaire. Tu es une femme africaine. Hein? C'est toi que les hommes piègent pour qu'ils vont encore te baiser. Et c'est voulez-vous comme ça qui suppliez, qui rêvez un jour porter la robe blanche. Mais vous ne vous donnez pas alors tout. Donc, vous ne remplissez pas tous les critères pour porter la robe blanche. Vous êtes là à longueur de journée à pomper la haine, l'aigreur, la frustration. Tu dis que tu n'aimes plus une fille. Partout là, on parle d'elle. Tu es tout dedans. Tu ne peux pas aller te chercher une vie. Mais trouve-toi une vie. Vous êtes nombreuses. Dis à tes consoeurs, les Borosangi et autres, celle qui a la tête comme le marteau de Clibox, la Borosangi. Hein? Tête comme le marteau de Clibox Borosangi. Nadège Bapa avait une forte paire de lèvres comme le maquereau qui était souvent dessiné à Delila. Elle est placée là comme ça, avec les graisses et les kystes remplies sur le ventre, dans le ventre. Une vieille mère, une vieille lotte. Elle vend tout, les fesses remplies de fuites urinaires. Elle vend tout ça. Elle vend tous les vieilles fesses la remplir avec les fuites urinaires. Vous êtes là. Je ne comprends pas comment vous êtes. Plus de 10 ans dans la bordellerie, mais vous devez laisser. Il y a la pépinière bosailleuse qui arrive. Les enfants là sont jolies, elles sont belles, elles n'ont aucun silicone. Vous êtes là, vous êtes rempli avec les silicones, comme les sacs, les jets d'eau. Nadège Bapa. Dès qu'elle a lancé son direct, elle montre son vieux bar vintage là qu'on vend dans les salons. Son vieux bar vintage où elle met souvent le ruina là-bas. Tu peux pas innover. Il y a des nouvelles qualités, des nouveaux qualités. Avec tout le piment que tu vends. Moi, depuis, j'étais au Maroc, je voyais ton bar là. Là où tu faisais souvent les directs avant Antoine Bachou. Toutes les anciennes bordelles de ta catégorie, elles ont déjà changé tous les meubles de chez eux, maman. Tu vends à perte, ma soeur. Tu tournes à perte, ma. Carrément.
Même pas hap te gezom te gezeze. To a kalombon. Oube beliki. Héritage et na kak. Les filles que quand elles quittaient au Cameroun, c'était que je m'en vais épouser le roi. Tu as épousé combien déjà? Tout pour courir. Tu pines avec le blanc seulement quand c'est un client. Tu as un petit copain européen? Que tu dis que toi, tu binda avec le tangan seulement quand c'est le client. Supplieuse des mbanzizi. Antoine Bachota s'ancré comme le pauvre franc. Et... je dis que hein, on t'a s'ancré là-bas comme le pauvre franc. Maman, elle pleure de ça. Elle est là, heureux partout. N'est-ce pas? Tu programmais le mariage. Tu vas te marier avec toi-même. Tu programmais le mariage avec Antoine Bachota. Non. Que oh, Antoine Bachota va aller me doter. Parce que j'ai fait la part avec Antoine Bachot, que j'ai dit que j'aime beaucoup Antoine Bachot dans mon cœur maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est que j'allais vous mettre à deux, je tamise. Après, je fais le coupen. Je mange avec les légumes. Au calme. Après, je fume ma cigarette et me repose et dors. Ma sine y toineyan dans les minas. Itoine. Chez nous, on dit que Itoine, ça vous dérange. Les vieilles mères, elles sont autant excitées. Les mères la baisent depuis qu'elles ont les 13 ans. Mais je ne comprends pas leur excitation. Claude, où c'est Claude Cripital? J'insulte les fesses de ta mère. Toi aussi, tu es connecté. Qui t'a donné la connexion de 25 que tu es venu avec ceci aujourd'hui? Avec son mauvais front. En un camion bon. Bon, maintenant, regrouper un fuck. Un de Wabobi, tout. Avant, il l'a avant. Non, mais c'est terrible. Je suis ma chose tranquille depuis. Je ne parle pas. Quand je fais mes directs ici, je parle mes choses tranquillement. Donc, la bouffonne, je ne sais pas. Qui t'a vendu le banga hier, ma soeur? Change le dealer. Celui qui te vend là, il n'est pas bon. Parce que si tu continues chez lui, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas prendre beaucoup de balles perdues. Ce n'est pas bien. Ce que tu es en train de faire, tu me cherches et je vais t'humilier, je vais t'exposer. Toi, tu vends les fesses. Oui, c'est ça. Il ne faut pas m'attaquer, s'il te plaît. La personne qui a organisé tout ça, c'est la vipère qu'on appelle compresseur, avec son maigre cou rempli de racines comme le manioc qu'on a crampé. Mangiante aujourd'hui, compris aile de poulet, compris shawarma, hein? Compris analphabète, compris camion rouge. Une manipulatrice, la fille que vous entendez là. Toutes les sorties, tout ce que Coco fait, tout le vacarme qu'elle fait là. Compris Gringa connaît tout ça. Je vous ai dit que c'est lui qu'elle ne connaît pas, mais elle a un CDI dans le machiavélisme. Je ne suis pas ici là pour répondre les bonjours des gens. Non, mais carrément. Mais tu te prends pour qui? À quel moment tu as pensé que toi et moi, on peut être copines du clash? Jusqu'à ce que tu t'assoies et t'es à l'aise. Tu parles mon nom dans la bouche que tu manges avec et que tu suces le bangala de tes clients avec. Tu prononces mon nom dans la bouche là. Hein? Je suis sûr que quand j'entends comment tu t'étouffes dans la voix, je suis sûr que tu venais de sucer un gros mbanzizi du Nkassa. Hein? Les gens qu'on utilise, comment on va tamiser Kobo? Elles sont les grandes femmes sur Facebook. Il faut voir comment on leur torture. On leur torture le corps humain pour 50 euros. Pour qu'elle vienne acheter une bouteille, il faut alors qu'elle prenne les 50 euros, comme ça, même 20. Elle va alors venir s'asseoir là. Fatiguée. Manon Korunka. La vieille l'autre de Tana. Elle a alors là, elle me vend à Bouma toute posée. Oui, ma personne, je n'ai même pas une personne aujourd'hui. Le gars là, il est sorti, il n'a pas fait. On peut chasser quelqu'un là où elle est partie travailler comme ça. Hein? Tu es parti pour travailler chez le gars, il a vu que mais comment la mère s'il peut vendre le piment. Lui croyait que c'est une jeune fille que quand elle va venir, tape d'abord même c'est un coup là. Il voit une mère grasse arriver, une forte paire de lèvres comme le micro-ondes. Le gars est sidéré. Que mais pourquoi vous m'avez pas dit ça? Hein? Il fuit. Tu appelles ta collègue, ton professeur de Bamba, Kwetu.
Oui, ma personne, le gars là, il est sorti, il n'a pas laissé. Et tout ça est enregistré. Tu es toujours collé derrière cette personne. Si ce n'est pas un secret capital, je suis sûr que Coco tout tient Nadège avait une vidéo qu'est. Parce que moi, la personne qui t'est exposée dans ton piment ici, là, sur Facebook, c'est Coco Kouetou. Tous tes enregistrements là où tu étais dans la pimenterie, machin et tout, c'est là-bas que nous on a écouté tout ça. Tu es toujours collé derrière. Vous avez pris une nouvelle recrue. Elle a la tête. Donc, elle a exporté sa tête du Canada jusqu'à ici, en France. Toujours pour la langue. Non, mais franchement, vous souffrez, hein? Vraiment. Je ne sais pas comment vous. Je ne sais pas. Une mère, la tête, on l'a une tigane morou, on l'a bois. Elle est placée là. Elle fait le direct jusqu'à on l'attend avec la caméra. Que, oui, la fleur, tu es ridicule. J'ai dit que toi, la chèvre du Canada, ton degré de ridicule sur Facebook, non. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui t'atteint dans le ridicule. La reine mère, c'est bio. La reine tête cocombo bio. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui t'éponge dans le ridicule ici, là, sur les, dans les réseaux, sur les réseaux, c'est dans où c'est sûr, où là on est ici. Tu es la peu. Donc, parfois, quand elle te voit souvent, tu es placé la piquerie, versée. Les grosses mains sur le volant comme ça. Elle est là comme quelqu'un qui est en train d'aller couper l'estomac. Voilà, Nadège Bapa, on dit qu'elle vole comme le rat depuis qu'elle est tout petite. Donc l'histoire du vol là n'a pas commencé aujourd'hui. Idungi là. Les vieilles mamans comme ça, les mères sont venues ici en Europe depuis. Elles ont fait la bordellerie ici, on n'a pas entendu ça. Nous, on mangeait seulement les Western Union au Cameroun. Il a fallu que les bordels tombent, hein? Comme les vous comme ça, qui sont toujours en train de dire qu'elles sont des femmes intègres, hein, et loyales. Mais il faut le voir là, ouais, il faut va discuter le prix. Lesquels prix? Hein? L'écrit qu'on appelle compresseur, alors c'est la cata. Ses collègues au moins prennent 50, 50. Elle est là à 40 euros la pipe et l'amour. 40. On ne va soit zo, soit on ne va soit zambous. Hein? Et Bologanjanga. Vieille chose comme ça. Vous prenez pour les qui? Les Bolosangui, elle n'est même pas une haineuse. Borosang n'est pas une haineuse. Elle est bête. La jachère, l'onkan de la femme. Cette femme a le goût de. Elle a le goût de la gent féminine. Ça veut dire que quand elle voit Flore dans un direct, ses ovaires tremblent. Parce que je ne me vois pas en train de parler de mon ami comme ça. S'il ne me dit rien. Je ne vois pas. Vraiment, je ne me vois pas. Je ne peux pas parler une fois après et quitte sur ça. Mais toi, depuis plus de 2 ans, quand t'as limogé, chassé, maman, avec toutes tes valises. Le reste, on a envoyé que par la poste au Canada. Une femme qui chausse le 54, maman, le pied du travesti. Comme sa tête est grosse, c'est comme ça que ses pieds sont gros aussi. Vous devez passer un incroyable talent. Entre celle de Coco Kouetou qui a la tête comme une mongole. Hein? Et Koukoumbo, la chèvre. Sa tête, mais c'est magistral. On ne va pas alors. N'en parlons pas alors de la jument qu'on appelle Nadège Bapa. Mais allez faire faites un duo, allez, incroyable talent. Allez vous débrouiller là-bas, on peut vous prendre. C'est incroyable de voir des grands-mères comme ça, aussi actifs dans la saleté et le ridicule. Parlez de grands-mères ambulantes. Moi, on m'a appris que les grands-mères jouent avec les petits-fils. Vraiment, l'Europe qui est venue ici, quoi même qu'elle veut rentrer. Vraiment. Finalement, elle veut rentrer, je vois ça. Tu vois une grand-mère, tu crois que c'est une grand-mère, pourtant c'est une fille qui monte en haut de toiture pour tacler le client. Le jour que quelqu'un va tomber sur la dalle, vous allez dire ce que vous cherchez souvent dans les camions, dans les dalles, dans les. Je ne sais pas. On ne connaît pas. Toujours coincé dans ma cuisine, non, ma soeur. C'est la cuisine de ta grand-mère. Regarde-moi tes grosses lèvres là, comment tu es. Tu n'auras jamais, tu ne dormiras jamais dans une maison comme celle-ci. Je dis bien jamais.
jamais dans ta vie. Vous allez seulement voir la cuisine si je ne vous montrerai rien. Voilà. Celui qui va être fatigué de regarder la cuisine, si la porte c'est derrière moi, il sort tranquillement. Il sort, il part. En a mis une petite colonière que les vieilles mères comme ça, les grands-mères avec les gros culs. Le cul de Nadège papa, on peut mettre le micro en dessous. Hein? Quand l'homme entre dans vous, vous sentez encore quelque chose. Ça vous arrive encore de dire, aïe, doucement, non. Pardon, fiche-moi la paix, Bando. Tu me salues quoi? Je suis ton égal. Mais non, mais Birga, les vraies femmes même qui tapinent ici en bain, elles ne couchent même pas. Vous êtes là, dès que vous voyez seulement un homme, vous l'avez à taxer 30 euros. On peut être moins cher. Vous pouvez pas faire le Black Friday en janvier. Vous faites le Black Friday en février. Vous faites le Black en février. Vous faites en mars, c'est beaucoup. Non, pensez aux gens qui respectent le prix de leur piment. Vous soldez, vous cassez. Elles sont laides, les mains là, quand tu les trouves quelque part. Nadège papa, elle met encore le vernis rouge. Vraiment, tes copines là ne t'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi une ne dit pas que, ouais, ma soeur, laisse le vernis rouge, laisse. Le rouge à lèvres rouge, laisse. Ne mets même pas, laisse. Tes lèvres, c'est bien à tout. Tu t'ajoutes encore le rouge à lèvres sur ça, c'est la guerre. Elle va avec les lèvres comme ça, comme le cul de Beban le porc. Elle prend encore le rouge à lèvres, elle pose en haut. Hein? La bouche à l'eau posée comme ça. Elle met le truc comme ça. Elle met là encore les sourcils qu'on avait. les sourcils qu'on avait tatoués. Qu'on a tatoués. Les anciennes Nyanga des bordels qui venaient en France quand Mitterrand était encore là. Elles ont encore ça. Bororo. Elle est hantée jusqu'à la haine. Donc elle a fait la haine jusqu'à elle a fini par avoir la perruque. C'est ma connexion qui est un peu something like I have to put my phone on charge because in 10 minutes my phone will switch off. Then I have to stop the life. Maybe I will do a new life in 3 or 4 hours. Tout l'anglais là, j'ai gardé ça. Que quand elle veut partir en Angleterre, je parle ça comme ça. Voilà ça. À cause des bordels. Voilà tout l'anglais que j'ai appris au Cameroun qui est fini. Non, c'est bon, on ne fait pas ça. C'est pas gentil. Vient se placer. Coco Kouetou, comme tu me cherches là, j'espère que tu as l'énergie pour supporter ce que tu as commencé là. Hein? J'espère. I think you have a lot of power to support what you just start now. Because I have a time on my own site. I have a time. I didn't have a work actually, so I will use you like my own work. Idiot, I shall. Tu parles un petit bosailleur comme moi. Bosailleur Pro Max. Oh oui. Même elle est la bosa. Mais elle est tellement bête. Moi, je ne peux pas moi être là, on insulte quelqu'un qui est la bosa. Compresseur, elle-même est la bosa. On l'avait acheté le passeport à 900 000. Que le gars l'avait arraché à Barbès Roche le choix. À une peut-être une malienne, il allait donner un gringa au Cameroun. Que donne-moi 900 000 à l'époque. Vous savez qu'on changeait seulement la photo sur le passeport. Hein? C'est comme ça qu'un gringa est venu dans l'enveloppe. Les enveloppaines. Elle ouvre la bouche, elle parle aux gens. Les femmes de ton âge qui sont arrivées ici. Hein? Les femmes de ton âge qui sont arrivées ici, ma. Elle parle bien le français. Elle parle l'allemand. Elle parle le danois. Elle parle le norvégien. Elle parle le suédois.
Adunguruye fo wunga wunga bude dans vos zambes. Ma soeur va apprendre, compresseur. Ce n'est pas bien. Va apprendre. Peut-être parfois le gars là, il envoie même les messages à une autre fille. Mais tu connais alors lui. Tu connais alors lui. Le gars là n'a même pas le code dans son téléphone. Parce que c'est qu'elle, elle de poulet, ne connaît pas lui. Il sait que compris, elle de poulet ne connaît pas lui. Vous fatiguez les gens. Je n'ai pas ton âge. Toi, compresseur, tu m'accouches au monde. Ce n'est pas parce que tu as fait de l'avortement ta ligne de mire que tu vas penser que toi et moi, on est de la même génération. D'accord? Non. We are not at the same generation. Tu m'accouches. You senior me. You old past me. You can even born me. Mama, Queen Mama, Mère Camion Rouge. On va vous nommer les mères dans les routes là où vous vous placez. Les mères qui sont toujours, même pendant la période de maïs, elles sont dans les champs de maïs. La période qui n'y a pas le maïs. Vous cherchez quoi? C'est le maïs de quoi que vous cultivez dans les... Quittez là-bas, hein? Je veux commencer à faire les directs là-bas. Dès que je suis dans la voiture personnelle, je vois un petit camion rouge. Je m'arrête là-bas. Je dis à la personne qui conduit que pardon, c'est ma soeur là-bas. Aide-moi, je vais saluer ma soeur là. Je viens seulement avec le direct. Mm-hmm. Vous allez vous envoler en l'air comme les hélicos et les oiseaux pour me fuir. Attendez. Je vais vous craquer one by one. Vous allez partir au chômage. Nous tous, on va aller faire la formation. Nous tous, on va aller faire la formation. Vous n'allez plus être bordel. C'est fini, c'est terminé. Attends toi, Coco, parce que tu aimes beaucoup la bordelerie, Coco. Elle ne peut pas vivre sans être bordel. Hein? Même Magilan ne connaît pas la France comme Coco Kouetou connaît la France. Hein? En une semaine, elle est dans quatre villes. On t'a lancé la bordelerie, ma soeur. Aïe! Non, vous exagérez. À un certain moment, changez. Soyez un peu soft. Hein? Préservez un peu l'éthique du corps. C'est le corps humain, ça ne s'utilise pas comme ça. Vous allez me faire vous allez faire comment là-bas? Pardon, je coupe, je pars. Je vais trop parler aujourd'hui. Bye bye.